Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une petite présentation, une review de Ciné Magique, une idée de Gustavo Rallet. Alors c'est vraiment sympathique comme effet. C'est un effet qui est extrêmement commercial, qui fonctionne super bien et qui est, quand on regarde en fait et qu'on détaille tous les trucs du tour, hyper magique pour les gens. Alors c'est vrai que pour les magiciens qui connaissent tout ce qui est le jeu Svengali, le jeu radio, c'est sûr qu'ils vont trouver ça d'une bêtise, oh, c'est encore un jeu radio, mais non. Imaginez les miracles. C'est les gens, oui. Une fois qu'ils ont compris comment ça marche, ils se disent, c'est bon, j'ai compris. Ah, tout à fait, ils se disent, j'ai compris. Il faut aller plus loin que ça. Non, mais là, ce qu'il faut voir, c'est l'impact que va procurer l'effet sur le spectateur. Voilà, c'est pas parce que vous connaissez un principe comme un FP par exemple qu'il faut se dire oh oui c'est nul il y a un FP. Non, c'est l'impact qu'il faut voir sur le public et là je vous garantis que c'est excellent. Pourquoi c'est excellent? C'est très simple. Déjà ça fait un effet qui est extrêmement visuel parce que il va se passer un dessin animé qui va être le choix du film qu'a choisi le spectateur, alors qu'à la base il n'y avait rien, donc on a déjà cette petit effet magique qui plaît toujours, hein, comme un livre à colorier. Hein, regardez, quand vous faites un livre à colorier, un coloring book à des enfants, quand vous faites des anniversaires et qu'il y a les parents qui regardent, écoutez la réaction des parents, ils font ah oh! Donc nous, ça nous paraît bête avec un livre à colorier et pourtant l'effet est extraordinaire. Ça va être pareil pour ça parce qu'il y a déjà ce premier qui est le climax, bien évidemment. Le second effet magique, ça va être le premier effet magique, ça va être la prédiction qui va être sur le pass, le truc gratuit. Donc je vais vous le faire tout de suite, donc vous allez le voir. Mais c'est pour citer en fait les effets qui se cumulent. Un autre effet va être on a en plus trouvé le numéro du ticket ou le numéro de la place, pardon. Et du coup. C'est un peu crescendo quand même. On a une première prédiction, elle est là, elle est juste, c'est bon, ça fonctionne. La deuxième, en plus que tous les numéros ont des places différentes, on a exactement le même ticket qui correspond au numéro de place qui a été choisi par rapport au film. Et ensuite, à la fin, la projection du film sur l'écran blanc qui devient, en l'occurrence, là, je ne sais pas lequel c'est, si j'ai Spider-Man ou Jurassic Park. Spider-Man, moi. Marqué derrière. J'ai quoi ? J'ai Superman, pardon, Spider-Man, Jurassic Park ou Star Wars. Donc qui se produit à la fin, c'est exceptionnel. Donc franchement, l'idée est vraiment très très bonne. Les cartes, donc je vais le déballer en même temps que je vous en parle, c'est vraiment très très bien. On va cacher la petite explication du lien. Autrement, je vais vous montrer ça. Hop, et il y a des petits malins qui vont aller vérifier et voir si ça fonctionne. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit ces petites cartes qui font office donc de tickets de cinéma et qui sont effectivement très belles et qui pourraient être tout à fait logiques. Quand on les regarde comme ça, c'est bien fait. On a vraiment un ticket de cinéma qui est net. On voit le nom du film, la place, le code barre, bref, on s'en fout. Donc avec plein de noms différents. Donc il y en a plein, Titanic, Spider-Man, Batman, Indiana Jones, Superman, enfin bon. Il y en a une petite, je crois qu'il y en a 24 ou 25. Tous ces tickets, donc que ce soit autant de dos de face, ont montré, c'est l'image d'un cinéma, hein, tout simplement. Hein. Donc si je le montre comme ça pour que vous voyez bien en détail. Donc, avec des places, sur un écran vierge. Fais-nous le tour. Voilà. Et l'idée, donc on va faire le tour. Et donc l'idée, c'est ça. On arrive, hop, avec... Ça, on montre qu'on a des places de cinéma, tout simplement, avec des films différents. Donc on les montre, hein, bref, ça on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais on les montre. Et on explique qu'on a, et que vous avez la chance, on va jouer aujourd'hui, d'avoir un petit pass gratuit pour un film. C'est une invitation, un ticket, tout simplement. Donc je prends ce ticket-là, je le laisse ici, je le mets dans la main du spectateur, dans sa poche ou même posé sur un coin de table, donc on va le laisser là. J'invite donc le spectateur à montrer que j'ai plein de tickets et je lui demande donc, je lui montre qu'on a plein de films, voilà, donc qu'on a des films qui sont tous différents, voilà, donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, on les montre, bref, il y en a plein. Une fois qu'il y en a plein,
on retourne ça et on lui demande ben, de s'arrêter sur un des tickets et de me dire stop à l'endroit où il a envie. Et donc Thierry, tu me dis stop. Stop. Sur lequel? Celui-là. Celui-là, voilà. Ouais. On lui demande de récupérer le ticket, de le prendre, ou alors de le laisser sur la table, peu importe, mais on peut lui demander de le prendre. Et on lui explique qu'avec tous les tickets qui ont été choisis, ben, ce qui est fou, c'est qu'on va voir sur quel film il s'est arrêté, et il s'est arrêté sur le... Spider-Man, non, Superman. Et donc, coup de chance ou hasard ou pur hasard, ce qui est assez étonnant, c'est que notre passe, notre ticket gratuit pour une place de cinéma était prévu pour le film Superman. Donc là, premier effet, c'est quand même spectaculaire parce qu'avec tout le choix qu'il a pu avoir, on tombe déjà sur le film où il y a marqué Superman. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet... La place. Alors ça, voilà, on vient montrer que chaque film avait des places... oui, c'est ça, c'est place qui est attribuée avec des places différentes. Donc, par exemple, Chucky, c'est le 21, l'autre, c'était 15, là, c'était 32, 03, 09, 14, 27, et ainsi de suite, 56, 48, bref, que tous les nombres étaient différents. On regarde sa place à lui, c'était le 25, d'accord ? Ça, les gens ne le voient pas au premier coup d'œil. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, le ticket de passe gratuit avait été fait pour la place numéro 25. Donc là, boum. Deuxième effet, ah tiens, une sacrée coïncidence. Troisième coïncidence, on vient récupérer le ticket du Superman qu'on vient poser dessus. On montre que, ben, vous avez vu que toutes les écrans étaient forcément vierges, hein, puisque le film n'a pas commencé. Et ce qui est fou, c'est que quand on va prendre donc, ce ticket de cette place de cinéma et ce ticket, eh ben, Il faut mettre ça dessus. Alors, il faut mettre ça dessus, bien évidemment. Donc, on met ça dessus en disant que c'est Superman qui, effectivement, commence, que c'est bien le film de Superman, et on le prouve, parce que si on prend ça, je me mets de côté, autrement, je ne vais pas y arriver à plier tout ça. Eh bien, quand on regarde, effectivement, on a maintenant sur l'écran le défilement de Superman jusqu'à la fin. Allez, on a coupé le téléphone. Donc, je disais, ce qui est assez subtil en plus, c'est que pour ceux qui connaissent les jeux radio ou même des gens qui voudraient voir des choses et tout ça, eh ben quand on va défiler les tickets de trucs, donc on voit Superman qui défile, mais ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde ici, en fait, on voit que des noms différents. En aucun moment, à part une fois forcément, parce qu'on va passer un vrai Superman, eh ben en fait, on ne voit aucun Superman. Ce qui fait que ça prouve bien encore qu'on voit le ticket, mais on voit l'arrière du ticket, et qu'effectivement, sur toutes les cartes qu'on fait ça, il n'y a pas plusieurs Superman. Et c'est quand même assez, assez bluffant parce qu'on vient s'en prouver. Alors bien sûr, les gens ne sont pas là à regarder non plus à chaque fois, mais s'il y a des gens qui regardent, tiens, en disant on va voir derrière ce qui a marqué, eh ben on peut voir que sur toutes les pages, il n'y a pas un seul ou juste un seul qui va passer Superman. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. L'idée est excellente. Je pense que quand on regarde autour, nous magiciens, on comprend tous les détails. Ah, mais oui. Faut pas s'arrêter là-dessus. Ah, mais non, mais c'est ce que je disais. Ça reste un tour très simple, mais ce qu'il faut voir, c'est l'impact. Sur les enfants, voilà. Et sur les adultes. C'est comme quand nous, magiciens, on regarde une catalepsie sur chaise ou une table volante, on sait tout de suite comment ça fonctionne. Et pourtant, on a envie de le faire parce qu'on sait que l'impact sur le public est excellent. Donc, voilà, y a rien à dire. Le reset de ce tour-là est dû instantané, mais alors vraiment instantané. C'est. Tout est bien fait pour pas que vous vous trompiez dans l'ordre des trucs. C'est-à-dire que là, je peux remettre directement ma carte au bon emplacement pour que j'ai bien sûr le bon défilement du dessin animé. Hein. Et c'est prêt. Ça, je le remets ici. Ça, je le remets là. Donc en fait, c'est quelque chose que vous mélangez jamais. Je range et c'est reparti pour pouvoir faire l'effet à une autre table. Alors sachez qu'en plus, donc en version comme ça, parce que je ne me rappelle plus combien ça coûte, mais voilà, ça reste bien quoi, le tour. Je sais qu'on nous en a beaucoup acheté par 3, ben oui, parce que je pense qu'ils ont compris comment ça marchait. Ben ils ont envie de le refaire, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. On l'a en Superman, on l'a ben, en Star Wars et en Jurassic Park. Donc c'est sûr que... Quand on vous voit faire, si vous voulez refaire une autre table ou un autre truc, et bien vous savez que forcément les films peuvent changer et ça va créer aussi un petit plus si vous voulez le faire plusieurs fois. Et le fait de le refaire une deuxième fois
avec un autre truc, là ça ah ben c'est un trouble parce qu'on là, se là, dit que, ben oui parce qu'il faut quand même imaginer que quand on défile qu'il y a quand même le film de Superman qui apparaît en dessin animé, forcément si on le refait qu'il y a des gens qui voient et que c'est un autre film, ils vont dire mais attends mais comment c'est possible, ça tue encore là plus. Là ça va être vraiment magique, donc franchement voilà, rien à dire. Les papiers, les cartons sont, le matériel est sont bien faits. Alors bien sûr, dans le teaser, il le laisse en main, il le laisse comme ça dans les mains du spectateur. On peut, c'est vrai qu'on peut, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, moi, je préférerais quand même, par acquis de conscience, de ne pas trop laisser, puisqu'on a compris donc c'est un système radio, donc je ne vais pas en dire plus, mais du coup... les tickets sont pas normaux, entre guillemets, ils sont truqués. Donc le laisser dans les mains du spectateur, c'est quand même un peu délicat, parce qu'il pourrait jouer avec, ou alors il faut vraiment bien canaliser le spectateur, ou lui demander de prendre le ticket, de le garder dans sa main, ou de mettre la main par-dessus, puis ensuite regarder sur... Voilà, c'est... Moi, sur ça, je suis un petit peu... quand même, je préfère sortir le ticket, le laisser ici, ou le mettre sur table, ou mettre un verre par-dessus pour que personne n'y touche, que le faire garder par lui-même. Voilà, on sait... Malheureusement, canaliser les spectateurs des fois à la perfection, c'est assez compliqué. Donc ça serait dommage qu'ils touchent un petit peu trop le ticket et qu'ils voient la subtilité. Voilà, donc bien, donc franchement bien. D'ailleurs, sur les 3-4 reviews là, qu'on va faire sur des petits tours comme ça, on a l'impression qu'ils ne payent pas de mine, je suis assez content de ce qu'on a reçu. C'est parce que j'ai trouvé entre celui-là que je trouve vraiment très très bien de par la simplicité mais surtout l'impact ça sur le public, le tour de Keymar, Liam Montier là, qui va être vraiment très très bien aussi et Polish Poker là, qui est un vieux truc mais que du coup on a ressorti parce que je ne savais pas ce que c'était, franchement content de ces trois effets qu'on va faire. Voilà, donc ça c'était une petite présentation, une petite review de Ciné Magique.